Hey salut tout, j'espère que vous allez bien et non, vous ne rêvez pas, on va bien faire du AV1. Comme vous pouvez le voir actuellement, je ne suis pas classé du tout en AV1. Alors, la saison dernière, j'ai fait C3 max, j'ai piqué C3 au div 2 je crois. Et je suis un peu redescendu, donc je tournais autour du C2, C3. Donc on va essayer d'aller chercher le GC. Il va y avoir quand même une certaine progression à aller chercher, une certaine amélioration, des erreurs à corriger. Donc, si vous voyez certaines erreurs qui sont assez évidentes pour vous, je ne sais pas, vous pouvez toujours me le dire. De façon bienveillante si possible, sinon bah lâchez-vous, hein. Tant pis, c'est pas très grave, tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hop, et nous on est parti, donc on a bien vu. Bon, je sais sur le kick-off, y en a beaucoup, on avait un, il dash pas, pour aller chercher un wave dash juste après. J'essaye toujours évidemment de parler un petit peu en même temps, parce que bon, sinon après on se fait chier, c'est pas drôle. Hop. Ok, je pourrais pas l'avoir, j'ai pas assez de boost. Donc pour l'instant il y a des, vraiment de très bons kick-off le mec. À tout moment c'est juste un mec qui va m'exploser. Il a deux fois plus de MMR que moi et je pourrais rien faire. Mais bon, on verra ça pour l'instant. Dans tous les cas on est là pour jouer et pour s'améliorer. Le truc c'est qu'en AV1 il y a énormément de buts. Mais il y a que des kick-off goals, c'est une dinguerie. Ça fait déjà 2 minutes, ça fait que 30 secondes dans le match, il y a 5 buts. C'est assez ridicule. Moi je peux le bump. Ah, j'ai eu le pas de là. On va essayer de tirer direct un peu. Ok, dommage. Il a réussi à save ça. Et il le joue sur le... Ah ok, dommage. En vrai, j'ai raté ma lecture, il a joué safe. Je pense qu'il a eu raison. Pour ceux qui me diraient, potentiellement en commentaire évidemment, ouais, joue plus safe, arrête de tenter des trucs. Bon, les gars, moi je suis là pour m'améliorer. Si je reste à attendre dans les cages et faire que des tout droits, je vais pas monter GC, ça je vous l'assure. Donc l'idée c'est quand même de tenter des trucs, tenter des mechas, etc. pour progresser quoi, tout simplement. On va pas jouer en AV1 pour attendre et regarder ce qui se passe. Il n'a pas le reset. Ok, nickel. Va être un peu dur celle-là. Ok, dommage. Bon, il a raté. En vrai j'aurais pu aller un peu plus vite peut-être. Bon, je suis full boost, je vais quand même tenter un truc. Bon, la balle s'est décollée du mur, hein. Là on le voit. J'ai vraiment pas de chance. Hein. J'ai vraiment pas de chance genre. C'est vraiment dommage. Bon, ça se voit que clairement le mec, bon, c'est pas les C2, C3 que j'affrontais dans la dernière saison. Je pense qu'il est un peu meilleur. Mais bon, pour une première game, bon, tant pis. On va quand même la jouer évidemment. On va essayer de tirer un maximum de profit de cette game. Tout ce que je sais, c'est que mes kick-offs sont vraiment pas bons. Hein. Ça a pas changé. Hein. A chaque fois que je jouais, les mecs ils comprenaient pas comment je ratais autant de kick-off ou juste les gens sont trop forts en kick-off, je sais pas, mais c'est une dinguerie. Hein. J'arrive quand même à mettre des buts quand j'ai des occasions, mais le truc c'est comme j'ai une occasion sur 12 et que après il va mettre que des kick-off goals, ça va être compliqué quoi. En vrai, tirer direct ça va être compliqué aussi. Ouah, le flic, dommage. Il avait raté le boost, j'avais pas fait gaffe. Je sais pas s'il a du boost là. Ok, nice. Ok, cool. On peut peut-être remonter si j'ai de la chance sur les kick-offs. Mais je vous assure que ça va être dur. Ça va être dur. Faudrait que je mette Backcase Mode pour voir un peu le MMR des gens. Oh, le challenge était vraiment pas bon là. Je sais pas si je peux le gêner. Ok, je peux, mais il va voler le boost. J'arrive quand même à avoir la balle. Ok. Je vais juste le pousser. Je pensais qu'il allait me voler le boost derrière, mais non, il l'a pas fait. Et je récupère deux pads. Je vais mettre de la pression, hein, je vais continuer de toute façon. Hop, et on récupère le but. Il a attendu que je fasse l'erreur et je l'ai pas faite. Du coup, j'ai pu profiter de cette pression pour lui mettre un but. Tout bénef. Je vais rester un peu sur la gauche et juste potentiellement la redirect. Ouais, c'était pas fou en vrai, je l'ai mis trop vers le mid. Il est trop loin de moi. Je pense que l'idée est pas mauvaise, juste mal réalisée. Juste récupérer ça. Oh. Il a raté le chef. Oh chef. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va chef? Comment il a le contrôle? Faut avoir sérieux, m'a baisé là. Ah là oui. Bon, moi je m'y attendais un peu, j'aurais dû y aller tellement plus tôt, mais c'est juste le fait que je fasse des demi-tours comme ça, ça aide pas beaucoup. Là. C'est juste ça, hein. J'aurais tellement pu le choper avant.
mon petit kick-off goal pour la moitié des buts que j'ai pris et que je vais prendre en fait. Va falloir s'habituer hein, malheureusement. Je n'ai littéralement zéro chat, que ce soit sur les kick-off ou en général sur le jeu. Je vais prendre tous des buts. Pour ça qu'en vrai, bon, je peux pas monter très haut en 1v1 si j'ai pas de kick-off. Hein. C'est vraiment le mode de jeu où si tu rates un kick-off, bah tu prends un but. Et malheureusement, les mecs en 1v1, ils sont trop forts au kick-off en fait. Je sais pas. En 2v2, je fais ce que je veux au kick-off, mais en 1v1, c'est impossible. Bon, au moins sur ma première game, je sais à quoi m'attendre en jouant en 1v1. De toute façon, j'avais déjà joué à un jeu. J'en avais déjà fait une vidéo et tout, d'expliquer que moi je prenais vraiment pas au sérieux ce jeu. Enfin, ce mode de jeu. Hop. Et c'était plutôt un entraînement pour moi. Et puis flic, ok, il passe. Ah, mais il y a quand même 15 buts pour l'instant, alors qu'il reste encore une minute. Hein. C'est vraiment terrifiant. Genre, tu joues en AV1, le match c'est 10 minutes. Genre, c'est même pas 5 minutes, c'est 10 minutes. Du coup, je sais pas s'il y a que des matchs comme ça, combien de matchs je vais faire dans l'épisode, mais. On verra. Bon, je risque de jouer en plus hors vidéo, hein, évidemment. Là, c'est juste de temps en temps, je les filmerai. Parfois, bah, je jouerai juste en stream ou quoi. Ceux qui veulent, passer sur Twitch. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dynamix TV. Bon, il y a pas mal de liens. Il doit y avoir mon Linktree. Mon Linktree, c'est un site où en gros, t'as tous les liens des réseaux, etc. Il y a pas mal de sites qui font ça, mais Linktree, je crois, c'est un des plus connus, non? Donc, vous avez YouTube, Twitch, TikTok, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a aussi mes trackers, tout ce qui est tracker, Rocket ou LOL. Il y a aussi un Discord, mais Discord n'est pas super utile. Après, si vous avez toujours des questions un peu plus, ouais, je sais même pas. De toute façon, je peux toujours répondre dans les commentaires, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voyez plutôt des clips ou quoi, ça sera plus sur Discord, j'imagine. Ok, bon. Ah, fait pas durer la game. Ok, c'est parti, on joue contre Achronic. Évidemment, un fake, j'imagine, j'espère. Sinon, bah, je vais me faire péter la gueule. donc, j'ai mis Backest Mode, on peut voir en haut à droite. 1040. Ok, nice. Celui d'avant devait être à peu près entre 1050 et 1060. Je sais pas combien on gagne en début de saison. En AV1, évidemment. Ok. J'ai bien fait son kick-off. Oh, ça te la galère parce que j'ai pas de boost, il le sait, je crois. Mais si j'asse bien en dessous, en vrai, en double saut, je peux surprendre de fou. Et j'ai raté. J'ai vraiment raté ça. Ouais, mais ma bump, ça m'a fait perdre pas mal de vitesse. Et j'ai le con, je pense qu'il y a but si je rate pas. Ok, bénef. Bon, il m'a demandé comment, mais. Moi, j'ai rien trouvé de choquant. J'ai juste pris le contre en défense. Rien de surprenant. On joue ici sur le backboard. On va essayer de garder notre boost, hein, évidemment. On se redirige vers le centre. On utilise notre boost pour voler. On bump. Let's go. Oh, you have this ping. Attends, mais le mec se plaint de mon ping, genre. Plains-toi de ton ping. Comment ça, t'as 72 de ping? Mais non, mais en plus, 72, ça va sur Rocket. Ok, c'est chiant, mais. Franchement, je m'en doutais du plan B. Je joue que contre des joueurs 1v1. Ils font tous des plans B, ces mecs. Je te jure, c'est une dinguerie. Tout le monde fait des plans B. Dès qu'ils ratent un truc, ils font un plan B. Il n'y a pas de contrôle, quoi. C'est plan B direct. Et du coup, ça me fume comment ils se plaignaient, je te jure. Ok, on va juste défendre ça tranquillement. Hop, je vais récupérer ça. I. Où elle est dedans, mais... Ah, bah il a FF le frérot. Tout ça parce que j'ai 16 de ping, c'est cool. Et ça compense tout à fait la première game du coup, hein. En termes de temps, ça a été beaucoup plus rapide. Ok. Ah. J'ai tenté mon zap wave dash, mais il a pas marché là. J'apprends effectivement le wave dash. Le zap dash plutôt. Mais le truc c'est que c'est pas si facile à régu. Ok, elle est dedans. Nice. Je sais pas si ça vaut le coup, dites-moi. Si je laisse tous les kick-off goals, genre. Si par exemple il y a un kick-off goal, est-ce que je passerai pas directement au kick-off d'après où il n'y a pas de kick-off goal en fait? Ce genre de truc. Je pense qu'en AV1 ça peut. Enfin, ça peut avoir du sens parce que bon. Garder des kick-off goals en vrai, est-ce que c'est fun? Après, c'est sûr que bon, pour voir les erreurs, tout ça c'est mieux, mais bon. La kick-off en vrai, je peux pas non plus totalement tout changer. Si le mec il est dessus, là. Bon, là ça n'est pas vraiment, mais. Kick-off goal, etc. C'est un peu chiant à regarder, j'imagine. Après, ça gagne quoi, 5 secondes? Parce qu'en vrai, ça va super vite. C'est pas une dinguerie non plus. Bon, il est un peu chiant lui. Il a juste volé le boost, d'accord. Et voilà, mettre au-dessus.
Bon, il a du boost, du coup, il va l'avoir avant moi. J'ai essayé un zapdash encore. Bon, dommage. En fait, j'ai pas atterri sur mes roues à l'avant, du coup, j'ai pas pu lever comme je voulais. Bon, j'ai quand même 48 de boost. Hop, on va servir du dash pour contrer celle-ci. Est-ce que je peux tirer direct, je pense? Bon, il est venu direct contrer. On va récupérer du boost. Hop. Ah, pourquoi il peut faire ça? Ah, mais c'est sérieux ça? Là-bas, elle est partie tellement haute. Ah, dommage. En fait, je voulais clairement pas m'aider du mur. Là, je pouvais l'avoir, je m'attendais totalement à ce qu'il allait faire, mais juste, je suis monté sur le mur et je voulais vraiment pas. Le mur, en vrai, c'est pas, c'est un faux ami, comme on dit. Déjà, t'as l'impression que ça va t'aider, mais en fait, ça t'aide pas du tout. Ça dépend vraiment de la situation. Ah, mais je l'ai pas eu. Bon, dommage, j'ai essayé de rattraper avec un petit backflip, mais bon. Dommage. Tiens, j'ai perdu le contrôle, sérieux, je pensais vraiment que je l'avais gardé là. Pourquoi il la récup? Je peux pas en faire grand chose, hein, par contre. Démo quoi? Je sais pas s'il peut me démo là. Et bon, il a vu les doubles. J'arrive à contrer ça. Ouais, c'est parti, Every Wave Dash là. Oh, wesh! T'as le zap dash. Il était puissant celui-là. Hein. Il a bien levé le cochon. Ah, c'est pas parti. Dommage, ça m'a fait un side au lieu de faire un diagonal. Là, je voulais faire un diagonal et ça passait, je pense. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il est pas si mauvais, lui, pour le coup. Juste, je fais vraiment de la merde par contre. Et j'ai le contre. On va vraiment accélérer le plus vite possible. Dès que j'ai la balle, tech. Pas en faire grand chose malheureusement. J'ai pas réussi à la contrôler correctement. C'est pas qu'il puisse. Ah bah s'il peut. Je pense que je lui donne beaucoup trop de balles. La seule raison pour laquelle il peut faire des mechas, c'est que je lui donne les balles en fait. C'est ça qui me saoule un peu, c'est que. Sincèrement, c'est littéralement moi qui lui setup les balles. Je vais rester au sol. Ok. Fake ça. Pouvoir récupérer du boost tranquillement. Ah dommage. J'ai pas été aligné, je sais pas pourquoi. J'ai trop du mal. Et je vous avoue que en fait, parle en même temps en AV1, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Bon du coup je suis un peu en mode roue libre, je tente des trucs en même temps, c'est trop galère genre. Ok. Après on est là pour ça, on est là pour la difficulté, pour progresser, donc on se bat quoi. Pas très rapide mes zapdash, hein. C'est assez fébrique quand même. Ouais, pas démo, hein. J'ai jamais cette chance, tu vois. Tu vois cette chance là, ce pixel qui manque tout le temps pour démo, pour faire un tir, pour que ça saute truc. Bah, ça, je l'ai jamais en fait. Comptez pas sur moi pour avoir de la chance. Bah, non. Je pense que tu veux voir un mec tout le temps se taper les pires trucs du monde, bah, c'est moi. Wesh. Je vous avoue vouloir faire un wave dash ici et. Pas trop marché. Du coup, il y a open. J'avoue que Fitamax là, il se régale. Hein. Jouer contre un mec comme moi qui en a rien à foutre du mode, qui fait que tenter des trucs. Ah, il se régale. Il attend, il met que ses open. Pour moi, c'est free LP pour lui. Hein. Je veux dire, les gens comme ça, ils montent, mais pas très haut. Ah, peut-être qu'après, il jouera différemment. Hein, qui sait. Peut-être qu'il est bon contre des mecs qui arrivent à mieux tirer. Parce que moi, je sais pas viser le but, apparemment. C'était tout juste à côté en plus. Ça dégoûte en vrai. Bon, il s'est raté. On va tenter une petite balle. Dommage. Ah, il a réussi à me démo là. Ah, c'est vraiment dommage. Oh, ça tape sur le poteau, j'ai peut-être une chance. Ouais, j'ai une chance de fou même. Hop, je peux récupérer ça. J'ai bien fait de l'envoyer vers l'avant, moi je peux la récupérer instant. Il pourra rien y faire. Et ça je le sais très bien, il y a plein de principes en AV1 que j'arrive à comprendre. Après, je joue pas forcément pour monter en AV1 du coup. Mais c'est des trucs qui peuvent arriver en 2v2, du coup voilà quoi. Bon, celle-ci elle est loose, hein. Celle-ci je crois qu'elle est loose l'équipe. Et nous revoici, c'est la quatrième, je crois, ouais. Du coup, bah, ça sera la dernière, j'imagine. Hop. On est contre Storm. Bon, y a personne ici que je connais. Je pense que personne peut connaître à moins qu'il soit au même elo. Mais... Comme je spamme pas beaucoup le 1v1, j'en sais rien du tout.
connais personne. Et j'ai pas vraiment besoin de savoir qui joue. Ah, bref. Hop. Du coup, on va se reconcentrer. On va repartir. On va refaire de beaux moves, de beaux plays. Petit saut. Dommage ici que je fasse me fasse exploser. Je pense que j'aurais pu mettre un but. Ah. Je pensais pas qu'il avait la possibilité de faire ça. Mais je suis pas très concentré sur ce qu'il fait. Mais plutôt sur moi, ce que je fais. Du coup, bah. Évidemment, sur Rocket, ça marche pas. Hein. Si tu regardes que ce que tu fais, bah. Tu peux rien prévoir et. Réussir à rien du coup. Là on peut imaginer qu'il s'est un petit peu raté quand même sur la défense parce que j'ai rien fait de fou. Ça reste un fake reset, ok, pourquoi pas. Mais... Ah, le truc c'est que si j'avais pas hésité ici, tu vois, j'aurais eu la balle. Et le truc c'est moi ce que je vais faire c'est le faire lâcher quoi, enfin le faire sauter. Ah, je l'ai pris trop par devant. J'étais pas en dessous de la balle. Ok. Évidemment qu'on prend les kick-off goals, on les prend, et oui. Eh oui, monsieur. L'objectif, c'est pas de mettre que ça, du coup on va pas non plus faire exprès à chaque fois, mais... Ok, je peux récupérer ce boost. On va attendre. Là, je pense qu'il peut tirer, mais il va pas le faire. Il attend que je montre mon cul pour avancer, lui. Hop là. Mon backflip qui récupère la balle. Ça me met très très bien. Oh. C'est top. Bon, un peu galère. Je l'ai envoyé tellement pas assez loin, en fait. Bon, il a essayé de m'avoir avec un truc de base. Ça aurait pu marcher si t'es un peu plus rapide et un peu plus confiant, mais... Pour moi, c'est un peu osé, tu vois, genre dans ce truc-là, pas beaucoup c'était bien joué. Parce que j'aurais pu m'imaginer qu'il flic ou quoi, du coup, c'était un peu dur. Mais en plus de me fake, il redévie la balle. Du coup, c'est pas si mal. Bon, il va avoir mon boost, il a mes pads. Dans la logique, il devrait pas rush. Voilà. Du coup, il me démo. Bon, il veut vraiment gagner, j'ai l'impression, hein. Il a un petit peu de mal avec tout ce qui est tir et mécanique, mais on voit qu'en termes de décision, on avait un. Il sait y faire, hein. Il sait y faire, le monsieur. Hein. Bon, fallait bien que je tombe sur un mec comme ça sur les 4 games. Ça arrive, malheureusement. C'est typique les gens que, bon, je trouve en avait un. D'accord, ok, ils vont monter. Ils ont un certain talent en avait un. Mais que en avait un, et le fait de jouer comme ça, bah, ça t'empêche de progresser, clairement. Hein. Parce que bah tu tentes rien et tu joues que grâce à des stratégies un peu, comment dire, déplaisantes, pour pas dire toxiques. Même si ça fait partie de la stratégie, tu vois, mais une fois que t'as les mécaniques, tu utilises la stratégie. Si t'as pas les mécaniques et tu fais que straté, bah tu vas être bloqué en fait. Tu vas complètement être bloqué. Là y a rien en jeu, je joue pour t'améliorer, frérot. Ouais, bon, je suis pas là pour faire la leçon aux gens, mais... Bah voilà, tu vois, c'est typiquement ça, je rate une balle, le mec vient juste me démo instant. C'est genre vraiment pas drôle que... Bon, je peux comprendre, il veut gagner des points, je vais lui donner ses points. Il va les avoir, hein, t'inquiète pas. Hein. Bon, j'imagine pas que ça allait rentrer comme ça, mais ok, pourquoi pas. Ok. Petite double tap. Eh oui, monsieur. Donc en vrai, si j'arrive à pas trop rater, je peux gagner facilement. Pour une fois, j'ai pas trop de mal sur les kick-offs, j'ai l'impression. C'est lui qui est juste normal. Ok, le contre est joli. Tu n'es pas le seul à avoir un cerveau. Et si tu en avais vraiment un, tu jouerais pas comme ça, mon frérot. Mais bon, bah, j'ai rien dit, excusez-moi. Ok. Nice. Bon, je pensais avoir encore mon dash, mais c'est vrai que j'étais quand même vachement haut. Ah, il a quitté. Et c'est une victoire pour le joueur français. On est donc en 2-2, parce que ça n'a pas compté la première. Mais c'est écrit en haut à droite. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des petits tips, des petits trucs. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.